Bonjour, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Venix TV, de partout où vous nous suivez. En tout cas, merci à vous tous et bienvenue sur ce plateau spécial. Nous sommes là pour vous, comme je ne cesse de vous le dire chaque jour. Nous sommes là pour vous servir parce que vous servir, c'est de notre devoir. Alors, Élisée Boulengen est là chaque jour pour nous satisfaire, nous, téléspectateurs en Abisso, ou en Abisso de partout, dans le continent, dans le monde. Parce que Venix TV est à Kinshasa, Venix TV est à Ndamaka, de partout à travers le monde. Vous êtes là très nombreux, vous êtes à Rabisso, vous êtes à Rabisso en tout cas. Merci pour nos conseils, Nabino. Merci pour nos messages, Nabino. Et comme il a Rabisso vraiment, vous êtes à Rawana pour nos koyo, Kabino. Et puis, vous êtes à la posa, Nabino. Vous êtes à Rabisso, vous êtes à Rato, satisfaire, Nabino, à temps réel. Alors aujourd'hui, dans le cadre de votre émission, parlons de tout. J'ai accueilli pour vous un grand homme. Pour moi, il est vraiment un grand. De Naïb Sarabino, Venix TV et Mbaka Batamalonga. Lui, c'est M. Gisley Akengi. M. Gisley Akengi, il est donc le président de karaté de la province de la Moungala. Bonjour, M. Gisley. Bonjour Élisée, bonjour à tous les téléspectateurs de Venix TV. Voilà. Venix TV, c'est la chaîne qui change des vies. Nous tenions ça y est, par Venix TV. Nous tenions ça à la posa avec la Venix TV. Et maintenant, c'est l'occasion. Il y a un message juste là avec la Venix TV. Donc, bien sûr, bonjour dans la bise. Dans le moment où vous vous abonnez massivement, vous partagez massivement, vous likez. Donc, vous partagez l'émission parce qu'aujourd'hui, on va parler de très bonnes choses. Et bienvenue sur ce plateau, Toyambi Mabokofunga. Ma bonne santé, comment évoluent les choses? Oui, ça fait Kimia, les choses évoluent bien. Donc, tout va bien. Président, il y a le karaté à Mongala. C'est quoi Président. d'abord le karaté? Donc, avant le bas, parce que le président à karaté, c'est quoi le karaté? Le karatéka. Tout le monde a karaté. C'est quoi le karatéka? Bon, de toutes les façons, karaté est un sport. Oui. Un sport qui se pratique déjà beaucoup plus parce que ça a fait virage à coups de pied. Ok. Voilà, il y a des différents la boxe, parce que la Bah, boxe, tu vas confondre avec la boxe. oui, mais très souvent, bah, tu vas Oui. confondre la boxe, la Oui. boxe au moins, bah, dans le bêta, mini ma coffre. Oui. Mais au moins, karaté, mini ma pièce à privilège, là, bah, coup de pied, il y a beaucoup plus là. Ok. Donc, c'est ça le karaté. Alors, un sport, Oyo, tu es en quatre, il y a des arts martiaux. Arts martiaux, tu écoutes à karaté, la quatre. Oui. Alors, karaté, ils ont vraiment d'origine japonaise. Ils ont sport à développer pour là depuis toujours. Oui. Et jusqu'à ce qu'ils se propagent à travers le monde. Ok. Comment tu as fait pour nous comme président? Non, là, le nom qui m'a mort comme président à karaté à Mongala. Non plus, tout le monde était. On a été quelques jours à Lissala. Nous sommes arrivés. Parce qu'étant donné que le bah, sport m'a bah, toujours intéressé depuis Kala, Oui. parce On qu'on a a un sport passé ming. ma case, et puis le sport m'a goûté, presque tous les sports ont été intéressés à Bissau. Ok. Il s'est fait qu'on a commencé d'abord le monde du sport. Ça, J'ai c'est créé une très l'équipe bonne depuis chose. 2000, 2015, et Evra et Beta 2015, 2016, 2017, 2018. Ok. Et puis, d'un moment à l'autre, l'équipe n'existait plus. On a fait ça, on a. Ndekomo Longoi travaillé comme secrétaire exécutif du cercle de football à Lissala. Ensuite, je suis devenu vice-président en 2018. Puis après, pour raison d'études, études à troisième cycle. Et après, Bandekoya boxe, bah, au contact de Bisson. Et puis, le championnat national de la boxe, où tous les Kakaramingi étaient là, Oui. tous les Bangona Kinshasa. Et puis, nous avons représenté le boxeur, et nous avons Kinshasa à la 31e édition du championnat national de boxe. Et nous avons la 7e mairie limitée dans la place commerciale, OK. de tous les Bangona. Alors, lorsque nous sommes arrivés à Lissala, au fur et à mesure, tout le monde était là, Masulo, la boxe, la Lissala, Boyomo, et Lissala, Mbouka, Mouké, le karaté, et bien, comme intéressé. Ah ben non, de l'autre côté, bichou de la structure. OK. Mais au moins, côté Donc, à on a boxe, le bon. temps bon. Ouais, bah, il y avait quand même, il n'y avait OK. pas de structure, il y avait corrigé, hein, karaté à niveau de la province. OK. Ils sont venus nous voir, ils nous ont appelés, à Bindekoyaka.
nous voudrions de sorte que nous puissions structurer. De façon aussi, il y a des compétitions au niveau national. Tout le monde appelle ça là. Tout le monde a ça. Ah oui, c'est vrai, même ça c'est bien. Alors aidez-nous avec la procédure. Mais si de toutes les façons, il faudrait tout d'abord pour mettre en place une structure carrément qui va s'appeler Ligue. Il y a une structure qui va représenter la karaté au niveau provincial. Okay. Alors, ce qui est Ligue et Salemi, au niveau provincial, dans chaque territoire, il faudrait ouvrir des attentes. Attentes au niveau provincial, attentes à Bumba, attentes à Bungandanga, puis attentes à Lissala. Okay. Il faut trois attentes. Chaque attente peut comporter un cercle. Et puis chaque cercle, il faut un club. Alors, il faut pas si on a d'abord les Zala, de façon que vous allez, et puis si vous allez, Ligue Nabino, le comité, il faut transmettre le procès verbal au niveau de la Fédération Congolaise de Karaté, pour que vous allez, et puis s'il y a des compétitions au niveau national, on va commencer à vous inviter. Et puis tous les maîtres réunis, la carte, il y a réunion, ils m'ont dit non, non, bon, dans la minute, on n'a pas d'autres personnes que vous. Comme ça, yo, bango moko, babi kamba biso. Comme ça, il vous permettre que non, makambo, et kendaliboso, à travers implication là, parce que on a senti en toi la bonne volonté de faire avancer les choses. C'est ce que ils ont fait l'élection, et puis ils nous ont élu la tête, il y a ligue, il y a karaté, il y a mungala. Ça c'est une très bonne chose. En tout cas, j'espère que Mme Tolo, bah, ils ont intéressé bino. Bana mungala bozo ya ndabiso na ngonga oyo bo partager mission oyo parce que ezo concerné bana mungala nyoso ezo concerné ba kongomani nyoso de partout vous êtes makamba malunga eza na Venix TV donc karaté eza vraiment sport moko pe ya bien et d'arapé ba kongolais ceux qui botali ba bato basala karaté bomola ba umela mwa mingi donc santé na bango ezala rapé bien et puis ezala na mwa ba conditions so ezo sala karaté. On va conduire ça à la ration, le plan alimentaire. Bien sûr, on va conduire ça alimentaire parce que c'est un sport. Et puis, par nous, le sport, il n'y a pas un sport où il y a l'équipe de karaté. C'est un sport qui m'a cassé tout d'abord trop. Okay. Parce que tu as même comparativement le sport. Par exemple, là, je regarde l'exemple de la boxe. On se rendre compte que tu as un livre à boxe. C'est un mouquet. Mais tu as un livre à karaté. C'est un mouquet qui a voulu m'a cassé. C'est-à-dire que karaté, c'est un sport d'abord m'a cassé très difficile. Avec trop de principes à l'intérieur. Il est qui full contact, il est qui judo, il est qui boxe, il est qui tout ce qui est comme arts martiaux. Il est pour ça la karaté, il est bien. Ah, de longtemps, nous sommes des anciens pratiquants. Bien sûr. Pour ça, bon, tu es au président, mais il y a une notion de la karaté. Mais soyez, tu vois une notion de la karaté, il fallait battre, la commission soit là, faisant n'importe qui. Ok. Hein, baza bato yo mayebi, hein, et puis mayebi yo non seulement tu as la notion ya karaté mais aussi notion ya makambobele et puis une très grande ouverture. Voilà. Dans les côtés ya karaté. Merci beaucoup. J'espère que bato bazo comprendre tozo le bila karaté na niveau ya mungala. Je remercie pour vous les présidents ya karaté ya mungala, et lui c'est Gisley Akengi. Tozo betana ye ensemble. Ma soleil à karaté et outiwa, puis c'est quoi d'abord les karaté, bah comprendre. Hormis cela, tout le monde a une question encore. Les gens ont les spectateurs, il y a mon gars là, il y a un peu de bâle, il y a un peu de bâle, il y a un peu de bâle. Vous êtes natif de la Mongala. Alors, on sait que actuellement vous vivez à Kinshasa. Donc, on est à Kin. Nous sommes natifs à Mongala. Alors, vous venez de passer 2 mois à Lissala, chef lieu de la province. Premièrement, quel est le constat que vous avez fait une fois que vous avez dit ça? Parce que vous méritez que vous avez okay, dit ça, vous avez 2 mois. Premier jour, vous avez quitté vraiment dans ma belle à Bakoko. Vous constatez que vous avez sur le plan d'abord éducatif, vous constatez ni sur le plan socio-économique, vous constatez ni sur le plan politique. Qu'est-ce que vous avez pu constater? Ah oui, ouais, une très bonne question. De toutes les façons, certainement. Tozagi awa pour un petit moment, oui. Mais sinon vraiment autre woumira à l'isala et ça autre woumira qui chasse avec qui chasse, c'est une histoire de l'olobi awa. Okay. C'est quelques jours passés ici. Donc, moi, ma belle, vraiment. Sinon moi la m'a belé il y a longtemps et puis Tokomi
Tolongwa Tokendi, Tokenda Kiguna, Tokomi, nous sommes arrivés. D'abord, les gens nous ont très bien accueillis. Nous avons vécu so bien. Talaga, moi, quelques jours passés, tous les gens nous ensemble été. Mm-hmm. C'est que j'ai beaucoup plus senti, hein, mm-hmm. et cet amour-là, hein, cette manière d'accueillir les gens. Ok, un accueil chaleureux. En tout cas, très chaleureux. Okay. Alors, intéressant, vu sur ma case. Par rapport à ma poème, surtout aussi les plats socio-économiques, aussi les plats, il y a développement, il y a Mboka, les choses, et tout le monde, c'est mon cas. Pendant que tu as une Kinshasa, awa, va te rendre ma solo. Non, on a dit ça là, Kotoyo, ma camboué tambola bien, chef, il y a province, et ceci, et cela. Mboki, comment mon aîné, va te rendre ébélé. Certes, Mboki, il faut que ma case. Ok. Va te rendre comme ébélé. Il y a aussi des constructions, hein, des constructions des particuliers dans la quartier ville. C'est tout côté Athènes qu'on a, hein, banda ko vumoya bien, hein, parce que zo tonga banda ko toati compliqué là, hein, presque des villas. OK. Eh, villa, donc, on a niveau de ça là. Na niveau ali ça là. C'est tout côté Athènes donc ma villa qui toko. OK. Presque mon tion sa tonga sikoyo, a tu n'est pas tonga villa. Banda ko ndele wana ici. Ah, ndele ndele, il y a pas une personne qui peut s'élever et bâtir une maison nani nanda ko ndele la minute. Une maison pas en ali ça là, ils a sauté. De banda ko yandele, le banda ko yakala. Okay. Mais banda ko ye un jeune homme ou un para ou une mère, à son le pas on aller à ton yandele la sala siko. Aza ta mo côté. Donc moi côté on évolue ça. Évolution, une évolution très positive. OK. Une évolution très significative. OK. C'est les kinde za il vos sommet tu regretter un tout petit peu par rapport à la infrastructure officielle. Côté officiel, c'est zéro. Ah bon? Zéro du fait que. Mais croyez-moi, là où tu vois, là où ça j'ai quel intérêt pour moi. Tu as demandé où ça, ils peuvent les témoigner. C'est ça que je veux. Ah, mais bien sûr. Demandez les athées. La seule route que nous avons dans la province de la Mongala, c'est l'avenue aérodrome. Route. Et on est bon, on est bien. On est bien. Non. Un état de délabrement très avancé. C'est pas possible. Au cours d'un côté, à partir d'Athènes, on a côté aéroport. Ok. Même on a moto, tio, comme on a universal, ça là. Ce que ben les bumoutés, ça dit au légui dans ton côté. Dans ma boule. Ma boule. Choc. Tio, comme on a universal, ça là, on a eu quelque chose. On peut dire que bah autre côté, bah ça est l'autre côté. De toute façon, ils font ce qu'ils sont en train de faire. Bah ils vivent à côté, bah ça, nous ça, bango. Mais ce qui concerne infrastructure officielle, zéro. Et l'autre côté. Sur le plan éducatif. Est-ce que le plan éducatif, socio-éducatif, ce n'est pas aussi appréciable. L'éducation ne fait que se dégringoler dans la ville de l'Issala. Vous savez, il y a certaines choses, peut-être qu'on pourrait avoir l'occasion de les dire, hein, de les parler. Oui, exactement. Mais au moins, il faut battre Baka. Lorsque les Belges sont venus au Congo, Belges à Salimboka, ils sont venus au Congo. Aïbaki, chaque richesse, c'est Mboka, hein, oui. Et c'est que Zalaki. Tant qu'il y a na est Kunabo, on a vu qu'il y a beaucoup de minéraux et consorts. Maintenant, ici, on doit bâtir, tout mettre, ouais, ici, on voit, j'ai camine. Pour le contact avec les minéraux, banda au sala, pour l'économie, Mboki, qui est le besoin. On a cassé, il y a même chose, il y a créé Miba. Alors, lorsque le Belge est à Mongala, a constaté que tous en a un peuple très intelligent. De baye ko sala lisala sa tridicatif du pays de la zone bisayo awa lisala ezaka na vision ya belge ne centre éducatif ya pays mumba kongo mumba. Voilà pourquoi il y a eu des écoles de très bonne qualité qui ont été créées basali batongi collège Saint Mamo ba lycée Munzoto hein ba petit séminaire Bolongo ba passionné boyange ba upoto ba tiné roya de mika voilà. Ba c'est banini ban na mondongo ita mondongo do ba école moko regroupe ba école à qualité na kata ville moko place moko oko parcourir pays mobimba même ici à Kinshasa vous n'allez pas trouver des écoles hein vous avez la qualité supérieure regrouper ensemble loko ba école zana lisalate même na Kinshasa est-ce qu'avez-vous déjà vu une école comme collège Saint Mamo oyo ka ba lo ba me collège Boboto mais allez voir les bâtiments c'est pas comparable na collège Saint Mamo. Dans le bâtiment, nous avons toujours
parce qu'il voulait de l'Isala comme un centre éducatif du pays. Okay. Voilà pourquoi à cette époque-là, depuis l'époque colonel, pendant sous Mobutu, il s'est fait que Batwanda on l'envoie de partout pour aller étudier à l'Isala. Il y a des parents qui ont envoyé leurs enfants de Kinshasa ici pour aller étudier à l'Isala. Batwanda on l'envoie Lubumbashi, Batwanda à l'Isala. Batwanda on l'envoie Gemena, même la Centrafrique. Non, pour le moment, ça l'a sauté. Non plus. Niveau éducatif est quitté. Les niveaux, maintenant, c'est trop bas. Là, je dois vous l'avouer, ça, ce n'est pas quelque chose... Est-ce que vous quittez dans l'école pour nous constater? Non, j'ai été dans l'école. Dans l'école, même de longtemps, enseignant à mon amour. Jusque-là, j'ai vu les enseignants, j'ai été au collège, j'ai salué les enseignants. Okay. J'ai été à l'université de Sala, où je suis assistant. J'ai été à l'Istem Tobi Kisa, où on m'avait donné aussi d'autres cours. Donc, partout. Mais ça, il y a une école, même il y a une école à côté. Mais, niveau, hein, comparativement, c'est que c'est une école à Bino, voilà. Okay. Hein, parce que vous, vous étiez au collège? Bien sûr que oui. Okay. Assis collégien, fini en 2013. Très bien. J'ai fini en 2013. Donc, c'est ça. Mais sinon, c'est le pas socio-éducatif. C'est un peu au rabais par rapport à ce qu'a été le collège. Non, non, pas le collège, l'enseignement au général. Je crois que nous allons vous recevoir prochainement. Ouais. Et plutôt, quand on détaille le Marambouane. Parce que l'autre, le banan au karaté. Bien sûr. Le Marambouane, tout le bas, ah ouais, en tout cas, bah, tu es belé, bah, comme on m'a dit, belé, ou soit tu es bas dans Mungala, ou peut-être, bah, ça, ah ouais, ou soit tu es bas dans Mungala, bah, ça, choqué. Ouais. Et ça, là, vraiment pas si. Pour eux, quand on va bien, donc, soit tu es dans la province, nous sommes les Alara, oye, on a qui, aux zones, il y a un bon canal. Osana essaie au moins que non magambe changer à malam magambe comme il y a malam et le moins il y a ma belle comme il y a malam mais au lieu que non ça la rabacosta moi il y a ma belle magambe zaki malam comme ma belle en tout cas ça n'honore pas l'image ya province ya Mongala en tout cas tous les bangons passent dans mon thème les autorités mongolaises en tout cas vous devez faire quelque chose pour un avancement à province bas jeune bozo landabiso vous devez vous impliquer pour un développement à Mongala c'est comme ça. Donc aujourd'hui, nous parlons du karaté. Donc, au Kota Marambouane prochainement. Les actes à moi, flèche moi, oui. Et puis voilà. Alors, il y a une compétition qui s'organise déjà pour le 24 juin de cette même année. Donc, tu as déjà na juin. Oui. Mais le 24, ah, ouais, il y a une grande compétition où ils ont organisé déjà à niveau Yambandaka. Oui, oui. C'est une compétition où ils ont fait Kako. Oui. À organiser au niveau à Mbandaka, et ce concerné karaté. Alors, je ne sais pas si Bino au niveau à Mongala, Yosa numéro 1, il y a karaté à Mongala. Est-ce que vous êtes partant pour cette compétition? Bien sûr. Tant que votre système à Mongala niveau à l'Isala, les maîtres m'ont dit qu'il faudrait alors tout transmettre le procès verbal à Bissot. Mm. Au niveau à Fédération de karaté d'eau du Congo. Oui. Fekako, voilà. Fekako en sigle. Tu y es, tu commis la finale, procès verbal, tu pessis. Papi, ah, mais depuis longtemps, où étiez-vous? Hein? Vous avez dit, bon, gars, comme une ligue, mais il faudrait que le bus soit là. Ah, bon, dans ces cas, tu pessis bien une invitation. Ils ont donné l'invitation. Karaté à Mongala, il y a Banara, vraiment. Karaté à Mongala, il y a Banagina, notaire de manière officiel. Okay. Parce qu'il y a eu des compétitions qui bandekoya Bumba, bandeko participé, mais ce n'était pas vraiment des compétitions officielles okay. Où la voile était donnée par l'autorité de la province. Mm-hmm. Au ministre provincial, à Yebaki, où carrément, on a le gouverneur pour moi, on a eu un aval et à Okenda, et ça a été. Donc, il venait quand même. Mais sinon, cette fois-ci, tellement les choses sont très bien structurées, mm-hmm. Ils se sont réjouis d'abord de tous ces efforts fournis. Tout le monde a participé à la fédération de la compétition. Championnat national, ils ont en Mbandaka à partir du 24 juin 2023. Dans quelques jours, ça dans quelques jours. Dans quelques jours. Pourtant, invitation à la fédération, à ce moment-là, je pense que. Voilà, il y a un ingénieur, donc le choix parfait à balancer. Bon, on a imaginé les autres canards. On les a invitations à Pessali Bino. Hein? Voilà, invitation. Ils ont signé depuis le 8 avril. Voilà, invitation, on a besoin de déjà. Depuis le 8 avril. Mm-hmm. Alors, depuis le 8 avril, tellement bisous à l'église structurée, invitation comme il est bisouté.
Mais lorsque nous sommes venus remettre notre procès verbal, on dit, mais nous sommes en retard. Est-ce que vous êtes préparés pour le championnat? On va passer ça déjà par l'invitation. Ils ont remis les invitations à toutes les ligues. La... Reconnues officiellement. Oui, bien sûr. Okay. Alors, bien sûr, nous sommes en retard. Et bien bah, sûr, quand même. Mm-hmm. Et puis, tout ça, la lettre, pour la côte, et pas autorité provinciale. De manière que, bah, il a mis son aide pour nous permettre de nous déplacer. Okay. Hein, de l'Issala, il y a un athlète, monsieur Bazan à Bumba, il faut voir comment l'Issala avec. C'est ça, Mongala. Bien sûr, Mongala. Tous les trois territoires. Ouais, ouais. Mm. Athlète, monsieur Bazan à Bumba, il faut voir comment l'Issala avec bah, ouais, l'Issala, bah, Memani, comme ça, bah, Mbandaka. Et puis, championnat au Banda, les 24 au 30. Ok. 24 jusqu'au 30. 6 jours. 6 jours. Et ça, champion national, il y a karaté, Shotokan. Donc, c'est ça le problème. Alors, moi, bah, complications pour les déplacements Ezali. Les complications sont comment réelles. Du fait que jusque-là, après avoir passé les... on a reçu d'abord l'invitation, mais après avoir écrit les lettres. Hein, on a écrit des lettres qu'on a introduit chez le gouverneur de province, dans son cabinet. Et puis, le commissaire général. Ok. Chargé des sports et loisirs à Mongala. Oui. Et puis, tu réserves tes copies. Bien sûr. Mm-hmm. Bango, ils vont nous lire en copie. Okay. Parce que, donc, comme le gouverneur, tu réserves copie par président de l'Assemblée nationale provinciale. Okay. Et puis, par commissaire général chargé des sports et loisirs. Alors, la carte à lettre, wana, tu signes seulement soutien. Pour permettre bah athlètes, bah longwa, l'Issala, bah longwa Bumba, l'Issala, bah yambandaka, bah vous participez dans le championnat. Donc, les choses, c'est à ce niveau-là. Alors, jusque-là, tous une réponse était... Pendant que moi, Nicole, tu as dit qu'il y a... Juste, tous une réponse était, mais tu oses là. Mais nous sommes confiants que l'autorité provinciale fera quelque chose pour essayer quand même de déplacer les athlètes de l'Issala jusqu'en Mbandaka. Et cette fois-là, je pense que ce sera par avion pour Taïso Matamassoua. Oui. Est-ce que vous avez un bateau? Je ne sais plus que tu as dit qu'il y a... Ouais. Ça va prendre beaucoup de temps et puis bon, ok, déjà compétition ici. En tout cas, le message que j'avais commis et pas le gouverneur. Je crois que l'autorité à Mongala a eu la minute. Bino Bosengi va soutenir Bino. Je ne sais pas si le commissaire au hasard, au niveau du sport et à Mongala, a beaucoup de temps à soutenir Bino d'une manière ou d'une autre parce qu'il y a des hasards vraiment à chapeauter dans ma méthode du sport. Je ne sais pas. Non, mais le commissaire, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Au regard de ce qu'il est en train de faire comme service. C'est M. Eric qui est lié. Hein, je l'apprécie beaucoup, c'est un homme dynamique. Okay. Parce qu'il est au four et au moulin. Il n'y a pas de qualité, les pistes supérieures hein, qu'on peut essayer de louer au-delà de ce qu'il est en train de faire. Mais il fait déjà mieux son travail. Alors, on a aussi un gars qui, cette fois-ci, a m'y impliquer personnellement parce que ça vaut son secteur. Hein? C'est dans son secteur d'activité. Alors, il y a l'abisso pico, bien que l'invitation, bien que les lettres peuvent arriver à un tout petit peu en retard. Et comme il est en retard, c'est simplement parce que l'abisso pico est toujours en retard pour qu'il puisse structurer en retard. Alors, Bundana, Batala, c'est qu'il peut faire le mieux que possible pour permettre à l'athlète de se déplacer. Okay. Ah, je sais que le gouverneur des provinces il est présent moto linga karaté makasi et que ceux qui certainement qui mbela na biso hein il peut tout nous venir en aide afin que nous puissions nous déplacer de Bumba l'Issala jusqu'à Mbandaka. Alors en dehors de ça on avait aussi essayé de parler un tout petit peu de na bande de Mususu parce que moi li solo et je sais que Bandegomisoupe, on va vous sentir intéressé. Va soutenir Bino. Parce que nous avons aide pour nous déplacer certainement. Nous avons un député Nabiso, pour Olambo na biso na ba net sport boy et ça va bien tous na ba sénateur tous na ba député pourquoi pas vous soutenir ba na bino c'est très important en dehors des députés et sénateurs toi pe na ba to ya bonne volonté hein? Exactement. Bazali ba commerçants ils sont nombreux il y a des commerçants il y a des
des hommes d'affaires. Oui. Bah, affairiste et Amongala. Mm-hmm. En tout cas, j'avais tellement aimé. Pour l'implication réelle, il y a un homme comme André Paul Bouma, okay. Hein, le président, le PCA APIM. C'est lui qui a déplacé les boxeurs de la Mongala, hein, Kolonga Mongala, ti awana Kinshasa. Parce que moi, dans ça, il n'a pas eu logement, n'a pas eu colis, n'a pas eu tambour, n'a pas eu c'était entre. Mais il est mon gars qui est en charge. Il a payé 6 billets d'avion, aller-retour. Ça, c'est une très bonne chose. Et puis, il a fait ça pour le boxer. Quand la minute est awana na Kinshasa. C'était au mois de mars. Ok. Alors, la minute où on peut, bon. Tout le monde a une bonne volonté pour Bima. Non, non, exactement. Tout le monde a une volonté pour Bima. Il dit que nous avons déplacé les athlètes, les karatékas, les gens qui ont été en train. Parce que, pour rater le championnat national, ils ont vraiment un déficit. Pourquoi? Parce qu'il faut athlètes aillent compétir dans le championnat national. Même dans ce qui est poli, il faut permettre que. Azonga a travaillé à la hauteur et à gagner prochainement. Attention, Poli, on ne perd rien. Parce que nous devons former les athlètes. Tellement que nous devons structurer, il faut que nous devons être en esprit de professionnalisme. Exactement. Nous devons karaté comme elle est la profession. Et puis, ils doivent être enseignés suffisamment. Et à côté de la théorie, côté à comportement digne à un sportif. Les sportifs, ce n'est pas parce que vous avez un casse, vous terminez là, vous avez un bêta, vous avez un bêta, vous avez un bêta, vous avez un bêta, parce que c'est pour les sportifs. Ce que vous prenez, c'est que vous avez un bêta, vous avez un bêta, vous avez un d'abord, dans la compétition, c'est au niveau provincial. Ensuite, au niveau national, vous compétissez le soutien. Donc, les sportifs, voilà pourquoi karaté est un sport le plus discipliné. Ça, c'est bien. Alors, je crois que le message est déjà passé, le message est déjà lancé. L'autorité à Mongala, il y a bonne volonté, il y a un peu soutenir Bango. Donc, le karatéka, c'est un soutien pas Nabino, parce que la compétition, c'est préparé à niveau de Mbandaka. Ce qui est que Bango, c'est vraiment pas si mini. Donc, Mongala, les amis, Provence, ils ont mérité de Babilo ou Ananios. Ils ont raté tout ce qu'ils ont fait comme Nios. Non, non, non. Invitation est arrêtée parce que karaté, à niveau de Mongala, ils ont structuré. Voilà l'invitation qui est arrêtée. Donc, merci. Pour le moment, il faut que Makambo ait déjà mis en place pour que prochainement, tout sera toujours à la hauteur. Ceux qui compétissent, ils font une invitation qui est déjà bien avant. Donc, sénateur, besoin d'abuso, député, besoin d'abuso, tu as bonne volonté, commerçant, besoin d'abuso, vous avez quelque chose, vous avez tellement bien. Si vous avez quelque chose, vous avez besoin d'abuso pour vous féliciter bino. Donc, tu auras l'ambassadeur prochainement, vous avez un abuso, vous avez vraiment soumis bino, vous avez vraiment s'impliquer pour que. Athlète, comme on a vu en Bandaka, et puis la compétition, ça m'a bien. En tout cas, tu as commis déjà Pembe dans Souka. Oui. Au niveau de Belo Moko. Bon, de toutes les façons, ils ont soutien de la part de la jeunesse. Hein? Ok. Jeunesse, parce qu'ils ont jeunesse. Très bien. La jeunesse, elle doit être encadrée. La jeunesse doit être soutenue. Au-delà de tout, est-ce que l'athlète va se bongamara déjà? Parce que. Non, non, ils sont très, très près. Quand même, il était même temps, on a commis un studio. On a commis un studio, c'est Maître Olivier Zololo. Il est vice-président à Kati, il y a un comité. Il a bien pour me dire, pour me confirmer qu'en tout cas, l'entraînement est massif. Il y a chaque jour. Maître Olivier Zololo, il y a un travail dans l'athlète. Maître Nzete Iki Azawana, Maître Claude Azawana, Maître Masse Azawana, Maître Oscar Likengi Azawana. Donc, Maître Trésor, donc tout le monde, après, va travailler. Très bien. Donc c'est ça le problème. Voilà, alors, en tout cas. Tout le monde, après, il suffit qu'à la mobilité, monana. La manière moyen de faire des places, c'est moyen à ces jours, c'est fini, bien. Ils sont prêts pour la compétition. Il y a bien pour les arabes, par foutre les bangos bien, comme il y a un bon rôle, les athées. C'est ça aussi le problème. Donc il faut vraiment prendre soin des bangos pour que. Pour gagner parce qu'ils sont déterminés. Karaté, c'est la détermination, technicité. Okay. Je sais qu'ils peuvent toujours gagner. Ça, technique, ils sont bien ils sont fandi. Et puis surtout, en tout cas, dès que je vais lire, je vous dis que le championnat, là, très prochainement, c'est la Mongala qui va continuer à glaner des médailles. Moi, mais j'ai vu l'entraînement avant de venir à Kinshasa. J'ai senti. C'est-à-dire, tous les bateaux, il y a des qualités, nous avons des talents. Où est-ce que vous avez encadré à niveau Mongala? Application, quand il y a un bateau, tombe le sport et au Sungamakasi. Voilà, merci beaucoup. Je crois que pour aujourd'hui,
nous sommes obligés de nous limiter là. Mais prochainement, tu reviens voir du sousou au Kolekana. On a remercié Batunyonso pour soutenir Bino la compétition. Nous avons besoin d'athlètes comme on a besoin de moyens de transport. Nous avons besoin de foutre billets, aller comme retour. Et puis, bah, ce jour, on a niveau de Mbandaka, il faut vraiment assurer. Il faut l'assurer dans le sens que bien, alors, t'as la caméra là, yo. Fais ça un message à Souka. Donc, comme il y a Souka, dans le tout dernier message, pour la autorité, pour la bonne volonté, pour la mongala, même à toi, ça fait un niveau mongala, tu es intéressé, mais on te ah, quel est le message que tu peux faire dans la minute pour que la compétition et ça la malandenga Kimia le 24 juin, dans niveau de Mbandaka. Voilà. Message de soutien, soutien à l'athlète. Oui. Soutien à karaté parce que il y a même en dehors il y a comité à ligue, oui. Il y a karaté à Mongala, uh-huh. Il y avait aussi un autre comité qui a été mis en place, ils ont eu comité à soutien, donc ils ont eu l'isanga basse-poisson pour de contribuer quelque chose chaque mois, attends, 10 000 francs par mois, uh-huh. 10 000 francs par mois, même 20 000 francs par mois, oui. Avec ma coquille à Oezala, s'ils sont nombreux, je crois qu'on peut toujours avancer. En tout cas, soutien, les Osenga, sur quelque chose et c'est consenti. Il pouvait permettre une plus que 5 athlètes se déplacer. D'Elisala. Parce qu'on a besoin, normalement, on a besoin de 10 athlètes pour faire des passeports d'Elisala. Mais surtout que vous avez 5 billets d'avion. C'est bon déjà. C'est déjà bon. Parce que là, c'est la représentativité. Vous avez 5 billets d'avion. Là, moi, séjour, il y a Bandeko. De l'Isala à Mbandaka. Okay. Parce qu'il y a aussi un autre tournoi qui se joue. La minute sur l'Isala, tournoi il y a indépendance des alliés. Karaté Pesa impliqué dans Kati. Okay. Alors, tout ça, l'équipe Moussousou est tirée dans l'Isala et représente un tournoi il y a indépendance organisé par PIM. Moussousou est voyé à Mbandaka pour participer à la championnat national. Très bien. Alors, moyen, parce que tournoi il y a indépendance est pris en charge par Batbande Goya PIM, mais championnat de Esenga, la minute sur bateau, bah constater bon ben faut on a bango. Donc c'est un bon, c'est un bon, voilà. Bon et mon nana, 5 billets, ne fût-ce que 5 billets d'avion. Et mon nana, bateau à Zoubaya, moi séjour na bango, 6 jours on a. De 24 au 30, je sais que ils ont une très très bonne chose de la part de la province, d'un côté à sport. Très bien, en tout cas, j'espère que bah autorité à Mongala Boyo qui message Oyo. Il faut la toucher. Je vous rappelle que Namal Ponabino, Monsieur Justin Kengi, Azani président et à karaté et à Mongala, a écolobé la championnat au réseau, s'est préparé déjà à niveau à Mbandaka, donc le 24 juin. Na niveau à Mbandaka. Alors, c'est un déplacement et à athlète, le roi de Salaba qui est Mbandaka. Alors, Bango, pas dans ma côté. Oui, bazo munda bazo sala pe entraînement. Alors je sais ngama ko ki gouvernement a s'impliquer, bato a bonne volonté bo s'impliquer pour que ata 5 bien denga lobi monana pour nous faire déplacer athlète de Lisala à Mbandaka, ba mundi pe komba na bango na denga kimia, pourquoi pas pe ba gagner. Donc ceux qui to s'impliquer biso nso et vous avez vraiment une très bonne chose. Nous sommes très heureux de koyamba yo na bato na biso. J'espère que prochainement au rozo na lisusu. On a olobi la pe makamba karaté et puis au compte avec un domaine musus et ça la c'est tellement bien. En tout cas pour aujourd'hui on se limite là vraiment. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Voilà, merci. Mesdames et messieurs, c'en est fini complètement pour aujourd'hui. Merci à vous tous qui étiez là très nombreux en train de nous suivre. Nous sommes Venix TV. Merci pour votre confiance et puis votre fidélité. Continuez toujours de nous faire confiance car vous ne serez jamais déçus. Derrière la caméra, c'était donc Henri Molongo, l'infatigable. Il y a donc le choix parfait. Moi, je l'appelle le choix parfait. Il fait très bien son travail. C'était grâce à Henri Molongo derrière la caméra. Il est donc le réalisateur au top pour le moment. Nami, tu oses le réalisateur. C'est Henri, vraiment, au hasard, battre record sur tous les plans. Il est là, vraiment. En tout cas, ma Brutali, réalisation. Il est au top. Merci à toi, cher réalisateur, pour ce beau travail. Continue toujours comme ça. Merci à mon manager, donc mon boss,
le pasteur Jean-Claude Yalala, merci beaucoup tant pour ça nous salama et nous avons là pour nous satisfaire ta ba pour moi et ma pour na bino ba tout nyoso na kata Venix TV. Merci également à notre vice-gouverneur de la Mongala, monsieur Blaise Mongo. Donc il y avait déjà un message là pour soutenir Batlet et ça l'a vraiment bien. Donc le vice-gouverneur de la province de la Mongala Blaise Mongo bambo tebele na yo place aux amis. Donc nous sommes là pour nous conserver au Kakabino. Besoin d'un abus de partout. Mais sans plus tarder, en tout cas, pour qu'il y ait déjà la fiche d'adhésion à la Fondation Carlos Mutete. Voilà, Fondation Carlos Mutete na mingi oyo et Kangi Masolo vraiment de partout. Pour qu'il y ait déjà la fiche d'adhésion à la Fondation Zarawana pour soutenir Bino Pena à un moment oyo. Bon, ça a des difficultés. Donc, sans la fiche d'adhésion, vous adhérez à la Fondation Carlos Mutete et vous allez tellement bien. Vous adhérez. Bon, ben, quand un numéro ça on a beaucoup les cas sans problème. Donc, awa fondation ils ont engagé ma na juste quand on a route de matadi. Donc, tout n'est qu'un flat hôtel Yokaso. Et voilà, flat hôtel Yokaso au côté Nakasi. Donc, on peut s'adhérer tranquillement à la Fondation Carlos Salim Lutete. Voilà, c'était votre humble servante Élisée Boulengen devant le micro. Tous à on a pour la bino Moussala de Moussala. Donc, pour ça, la mission est à tout servir, bien en temps réel. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir.